Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler de routines quotidiennes. Donc les routines quotidiennes, ça peut être soit des habitudes isolées que vous allez avoir à différents moments de votre journée, soit des routines, donc des rituels, c'est-à-dire des enchaînements d'habitudes. Donc on parle de tunnels d'habitude ou d'escaliers d'habitude. Tout ça repose sur l'effet cumulé, la puissance de l'effet cumulé. Et comme une image, un bon dessin finalement, même si je peux pas dessiner, vaut mieux qu'une longue explication, je voudrais vous partager ceci. Vous prenez un verre, un grand verre qui va être totalement vide. Et tous les jours sans exception, vous allez rajouter un grain de sable dans ce verre. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est qu'un grain de sable, c'est minuscule, un tout petit grain de sable. Et le premier jour, vous allez mettre ce grain de sable, vous allez le faire tomber dans ce verre. Et vous allez regarder au fond du verre, vous allez voir votre grain de sable, vous allez voir tout le volume vide de ce verre, parce qu'un grain de sable, ça représente peut-être 0,0001% du volume total du verre. Et ça peut paraître long. Le chemin à faire, la suite du chemin peut paraître longue. Mais à partir du moment où vous vous engagez tous les jours, quoi qu'il se passe, à mettre un nouveau grain de sable dans le verre, de façon inéluctable, de façon obligatoire, quoi qu'il arrive, et je dis bien quoi qu'il arrive, votre verre finira par être rempli. Et ce verre représente votre objectif. Et à partir du moment où vous mettez tous les jours un grain de sable dans ce verre, votre objectif sera de façon obligatoire réussi. Donc la question, vous l'avez compris, c'est plus est-ce que je vais réussir mon objectif, parce que ça c'est certain, vous allez le réussir. Mais la question se déplace sur le fait de se dire comment je fais pour tous les jours, quoi qu'il arrive, mettre un grain de sable dans ce verre. Dans cette vidéo, je vais vous donner plusieurs points pour mettre en place de bonnes routines quotidiennes. Le premier point, c'est le minimalisme. Alors vous savez, le minimalisme, ça a un petit peu un côté où on se dit les gens qui sont minimalistes, c'est peut-être des gens un petit peu bohèmes ou je sais pas, c'est des gens qui sont un peu hors système. C'est ça, un petit peu hors système. Mais le minimalisme, c'est pas simplement d'avoir une maison bien rangée ou ce genre de choses. Non, le minimalisme, ça s'applique absolument à tout dans la vie. C'est au niveau des objets, donc la maison rangée, c'est-à-dire avec le moins de choses, enfin avec des choses qui sont utiles. Ça peut s'appliquer aux vêtements, mais ça s'applique aussi à votre propre vie. C'est-à-dire que avoir des routines quotidiennes, ça signifie pas avoir 200 choses à faire par jour. Ça, c'est absolument contre-productif. Mais le minimalisme va s'appliquer aussi aux routines quotidiennes, donc à vos habitudes. Moi, vous savez, je suis plutôt dans une vision des choses qui consiste à dire il faut peu d'habitudes, des habitudes efficaces, mais peu d'habitude. Adoptez le minimalisme pour vos routines quotidiennes et adoptez le minimalisme en général. Deuxième point, c'est que pour chaque habitude, et j'insiste là-dessus, chaque habitude, vous allez devoir avoir une sorte de tableau de bord, c'est-à-dire avoir une sorte de mesure de votre habitude. Il faut absolument que vous ayez chez vous un mur où vous pouvez mettre en place quelque chose qui va mesurer d'où vous êtes parti et où vous en êtes pour chaque habitude. C'est très important de faire ça, ça va justement vous montrer pour chaque chose, chaque habitude, votre progression, et c'est indispensable. Le point le plus important, c'est qu'il faut absolument que cette mesure, donc la mesure de votre progrès, soit absolument incontestable. C'est-à-dire que si vous prenez une ou deux personnes qui n'y connaissent absolument rien à cette habitude en particulier, à ce que vous faites en particulier, que vous leur montrez votre tableau accroché au mur par exemple, il faut qu'ils puissent se dire « Ok, c'est clair, t'as progressé ». Donc je vais prendre un exemple basique sur le sport, sur l'alimentation, ça va simplement être de prendre des photos. Et croyez-moi, il y a toujours, pour chaque habitude, pour chaque chose, il y a toujours une solution pour mesurer vos progrès. Troisième point, c'est de prendre une habitude fondation. Donc vous savez, les habitudes fondation, c'est ces habitudes qui sont vraiment les plus importantes. De choisir une de vos habitudes fondation et de la faire quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe. Et j'insiste là-dessus, de la faire pour quoi qu'il se passe. Moi, par exemple, mon habitude fondation, l'habitude, la priorité absolue, c'est de faire la vidéo, c'est-à-dire de produire la vidéo, de la monter et de la mettre online tous les jours. Et je vais vous prendre un exemple très précis. Ça a été la vidéo qui était le plus dur pour moi à faire cette année. C'était cet été, peu après que je sois revenu d'Asie.
J'étais en train de travailler et en fait avec ma copine on avait une lapine pour être précise, et elle était juste à côté de moi, enfin elle était dans une cage juste à côté de moi, enfin sur un buffet, enfin bon bref, elle était juste à côté de moi. Et ce jour-là, j'étais en train de travailler sur mon PC et j'ai commencé à entendre vraiment un cri inhabituel, et je l'ai sorti de sa cage et j'ai vu que bah voilà, elle était en train de mourir en fait, et elle est morte. Et alors ça peut paraître ridicule, je sais, c'est que, enfin voilà, moi j'étais très attaché, c'est qu'un lapin, ça faisait 4 ans, plus de 4 ans qu'on l'avait. Et ce jour-là, j'étais vraiment vraiment très triste, j'ai vraiment pleuré pendant la journée. Et j'avais pas fait ma vidéo ce jour-là, je me suis posé la question d'ailleurs ce jour-là, j'avais absolument aucune idée de ce que j'allais dire, c'est-à-dire que voilà, les idées ne se mettaient pas, j'avais des idées, des plans de vidéo, mais voilà, j'arrivais pas à mettre mes idées en place, et j'ai pensé à ne pas faire la vidéo, et puis je me suis dit non, je vais la faire. Et donc ce jour-là, je me souviens, j'ai mis mes lunettes de soleil, je suis descendu dans mon jardin, et j'ai fait ma vidéo. Alors j'ai fait à l'inspiration totale, c'était une vidéo qui était très courte. Voilà, j'ai dit ce que j'avais à dire, j'ai dit vraiment selon mes sentiments, mais je l'ai fait. Et certaines personnes pourraient se dire, finalement, est-ce que, ben voilà, on est humain, tu pourrais t'accorder à certains moments un jour de repos. Mais pour moi, ce qui est important, et je dis ça, là c'était un lapin en l'occurrence, ça peut être sur des choses plus graves. Pour moi, le plus important, et je dis, et surtout par respect pour les gens qui sont autour de vous, pour les gens qui croient en vous, pour les gens qui vous apportent des choses dans la vie, c'est de vivre une vie par inspiration, de ne pas vivre une vie par défaut, c'est-à-dire de vivre une vie à 100%. Et je sais que pour vivre une vie à 100%, pour arriver à ce qu'on veut vraiment, pour que j'arrive et que vous arriviez aussi à ce qui vous inspire vraiment, il faut prendre l'habitude la plus importante, celle qui va vous mener à ce que vous voulez, et la faire tous les jours, quoi qu'il se passe. C'est le plus important. Donc faites-la, déterminez votre habitude fondation numéro 1 et faites-la quoi qu'il arrive. Quatrième point, être prêt le matin. Donc moi évidemment je conseille de mettre en place une routine matinale, mais si vous ne vous sentez pas encore prêt, ne le faites pas. Mais ce qu'il faut, c'est de ne pas se lever le matin en appuyant sur le réveil continuellement pour le retarder, en se disant non, j'ai pas envie de me lever, en n'ayant pas préparé ce qu'on doit faire, en ayant plein de choses encore à faire de la veille au soir, ce genre de choses. Le matin, on se lève, on est prêt pour faire ce qui est important, on est prêt pour attaquer la journée. Cinquième point, c'est d'avoir des listes. Alors des listes, ça peut être sur plein de choses, des checklists pour vos activités, sur ce que vous avez à faire dans la semaine, dans la journée, les choses que vous avez achetées, c'est sur énormément de domaines. Moi, par exemple, elles sont au mur. Et le fait d'avoir plusieurs listes, ça sert à quoi ? L'idée, c'est tout simplement vous sortir ce que vous avez de la tête et le mettre sur papier. C'est très très important de faire ça parce que ça va vous permettre d'être plus productif, d'être plus concentré. Vous n'allez plus avoir toutes ces choses auxquelles vous pouvez penser et qui vont vous parasiter. Donc faites des listes, utilisez la puissance des listes. Voilà pour les points importants pour mettre en place de bonnes routines quotidiennes. N'oubliez pas vraiment le plus important, la loi de l'accumulation, avec cette image du verre vide au départ et puis qui se remplit. Chaque jour où vous faites ce que vous avez à faire, où vous faites vos routines quotidiennes, vous ajoutez un grain de sable. Chaque jour où vous ne le faites pas, vous enlevez un grain de sable. Et donc vous comprenez pourquoi finalement certaines personnes passent du temps à essayer d'atteindre un objectif mais n'y arrivent pas, parce que ça peut durer longtemps. C'est-à-dire vous pouvez ajouter deux grains de sable, puis en enlever deux, puis en rajouter deux, puis en enlever deux, etc., etc. Donc tout l'enjeu, c'est de mettre en place des habitudes, des routines quotidiennes qui vont être efficaces, qui vont vous emmener automatiquement à vos objectifs, et de le faire à un rythme régulier. C'est-à-dire vous avez un rythme que vous avez défini et vous le faites quoi qu'il se passe. Si vous voulez en savoir plus à ce niveau-là, le jour numéro 4 de la formation Life Hacking est consacré à la productivité et aux routines quotidiennes. Comment mettre en place des routines quotidiennes efficaces qui vont vous emmener vers vos objectifs. Vous pouvez encore accéder à la formation au prix de lancement en cliquant sur le lien qui est dans la description ou sur la fiche qui apparaît juste ici. Je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Passez à l'action, chaque jour compte.